Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je parle pas trop fort parce que c'est les vacances scolaires encore. On adore. Oui, c'est toujours le bordel derrière, mais c'est le bordel partout. Je vous dis pas. C'est le bordel dans toute la maison. Donc je suis en retard pour les coloterminés du mois de février. Voilà, donc la petite est à la sieste. Oh, et puis cette cam. J'en ai marre d'OBS, je vous promets, j'en ai marre d'OBS. Il me change mes paramètres dès que je reviens. C'est relou. Donc, colo terminé, coloriage terminé du mois de février. Il y en a eu. On a eu 14, ouais, 14. 14 colos au mois de février. Ah, j'ai pas retourné ma pile. Va passer en plan bureau et je vous montre ça tout de suite. Donc, tout d'abord, il y a l'atelier Teens coloriage, atelier de coloriage Teens, 40 scènes de bas. Désolée, ça va être voilà, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, je fais pas de live pendant les vacances, je filme pas, donc ouais, c'est ça va être sympathique, accrochez-vous. Dans celui-ci j'ai voilà, ça colle, j'ai fait pâle au pâle. J'ai utilisé les Prismas, Justicles, PB or romantique, or antique, pas romantique, pourquoi? Ah oui, il y a du or et du or antique. D'accord, il y en a deux différents. Stylo jet paillettes pour les bijoux, tout ça. Du foil pour le miroir. Je sais pas si vous allez voir, j'ai mis du foil dans le miroir. Enfin, j'ai essayé de. Voilà, je voulais faire un truc, mais ça rend pas ce que je voulais que ça rende. Au départ, je voulais le faire avec du washi tape. Voilà. Des aquarelles d'Ava pour le fond. Ouais, le fond, c'est aquarelle d'Ava. On a du stylo gel paillettes. Du hybride. L'hybride, il va être là. Donc, stylo gel paillettes, c'est pour le noir, là. On a du drawing. On a du stickles, bien entendu. De la paillette. Voilà, je l'ai fait en live, celui-ci. Donc, celui-ci est entamé. Je l'ai noté comme quand je l'avais entamé, celui-là. J'essaye de noter au fur et à mesure combien de livres j'entame dans le mois. Et oui, j'ai dû le noter. J'en ai pas entamé beaucoup ce mois, enfin, ce mois-ci, au mois dernier du moins. Donc là, je vais faire une pile. Derrière, je vais pouvoir enfin les ranger ceci, parce que je vous dis pas, j'ai un amoncellement de livres de partout. Ensuite, j'ai fait un autre colo, mais c'est pour le défi de Gaël, donc de Gaël Katsu sur Twitch. Donc je ne peux pas vous le montrer. Vous le verrez dans les colos du mois d'avril, je pense. Ensuite, j'ai été dans le grand carré portrait pour le Taz et ses mignons. D'ailleurs, il va falloir que j'y aille là prochainement pour faire celui-ci. Donc j'ai fait Zarina qui est en fait Ondine. Voilà, je partais sur la mauvaise, mais bon, c'est Ondine. On fait pirate. Donc là, j'ai utilisé quoi? Ah, j'ai oublié de le dire pour Belle. J'avais utilisé les combos de Mademoiselle Disneyland. Mais bon, je sais pas si ça vaut encore le coup de vous le dire. Parce que moi, à chaque fois que le combo est disponible chez elle, je prends chez elle, clairement. Et si le combo n'est pas disponible chez elle, je prends chez Oana. Voilà. Et s'il n'y a pas, je me démerde. Donc, pour Ondine, du coup. Néocolor 2 pour le fond. On a les Crayola signature là pour les nuages. Parce que vous voyez que c'est iridescent.
Du Mod Podge bah, pour les ailes. Jelly Roll, ça va être juste pour les parties, voilà, la ceinture, les petits bijoux, tout ça. Et maintenant, bah ça c'est l'hybride Silver. Jelly Roll, ah bah juste pour les 4 étoiles qui se battent en duel, ouais, d'accord. Ok. Donc voilà, sinon c'est du Prisma. Moi je peux pas te ranger parce que bah, tu vas ressortir d'ici peu. Ensuite, j'ai fait un colo. C'est pour le challenge de Didi, de Diziac sur Twitch, mais on peut le montrer. Voilà. Donc je vous le montre. J'ai fait celui-ci, donc il fallait faire sur le thème de la nourriture, donc faire un colo bouffe. Un colo miam. Donc voilà, dans le Moonlight Mascarade de Anna Carlson. Du coup, j'ai fait cette page Birthday Cake. Voilà. Où j'ai utilisé du Prisma, du Jelly Roll blanc, Jelly du Sakura Stardust, Pentel Hybride, les chaque marqueurs de chez Action. Bon, ceux-ci, je pense pas qu'ils soient de nous, ils sont pas disponibles tout le temps. Donc, il y en a, le blanc, j'arrive pas à l'utiliser, mais les autres, enfin, c'est ceux-ci. Faut que je fasse. Voilà, comme ça. C'est les chaque marqueur de chez Action. Et oui, je suis obligée de noter dessus. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de machin. Ça c'est chiant avec leur truc. Ensuite, des luminances. Voilà, pour tout ce qui est rouge, c'est les luminances. Donc voilà. Et supervision au fond, je ne vous l'ai pas dit. Je ne l'ai pas marqué. Mais voilà, supervision en fond. Le focus par contre. Merci. Supervision toujours 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 voilà donc voilà pour le petit colo pour Tiziac. Est-ce que je te range dans ensuite je suis allée je l'ai fait en live aussi celui-ci je l'ai peut-être pas commencé mais je l'ai enfin, j'en ai fait une bonne partie en live donc ce petit colo. Donc dans le grand carré Love Stories, c'était pour un duo groupe Facebook. D'ailleurs, je suis en train de penser que je ne l'ai pas posté. Je sais pas si elle l'a posté. Enfin bref. Mais bon, j'ai bien aimé le faire. Et combo de Mademoiselle Disneyland, je pense. Ouais, c'est ça, Mademoiselle Disneyland. Donc Prisma, les Sakura métalliques. Juste pour les petites dentelles. Du drawing, du jelly roll, du glossy accent pour les lunettes. Je pense que vous le voyez. Et du Pentel hybride. J'ai du drawing, j'ai pas. Si je l'ai dit, je sais plus. Mais bon, du drawing pour tout ce qui est bois, bien entendu. Non, je l'aime bien. Et je pense que c'était la première fois que je mettais en couleur là-haut. Voilà pour lui. Ensuite, j'étais dans le doux de l'invasion parce que j'avais envie de faire du Kirby. Pareil, il a été fait en bonne partie en live. J'ai pris une palette de couleurs. Donc voilà. Donc il y a du Pentel hybride. C'est la color palette 177 si jamais. C'est avec les Black Widow et Pentel Hybrid. Parce que vous voyez bien les paillettes. Et là, la luminosité est partie. Merci. Je sais pas pourquoi il fait ça. La mise au point. Ensuite. Ah, j'ai oublié celui-là. J'en ai oublié un. Ma pile. Hop. Je suis allée dans le petit carré portrait. Et j'ai fait Mouchou. Alors là, les combos, c'est Mademoiselle Disneyland. Encore une fois.
Le fond, c'est grimoire de la boutique de comptoir d'aquarelle. Mathilde, voilà. Bulle créative sur Insta, si jamais. Ouais, c'est grimoire, il est trop beau. Du Jelly Roll blanc. Et du Prisma, c'est tout. Voilà. Il était relativement rapide à faire, franchement. C'était cool. Encore un autre que j'ai pas sorti. Mais qu'est-ce que j'ai fait, sérieux? C'est petite bête. C'est celui-là. Donc dans le petite bête. Ah bah ça c'est aussi pour Didi. Est-ce que je lui ai envoyé? Oui, je crois que je lui ai envoyé. J'ai fait une page avec Kalina, des féeriques. Hein. Fallait bien que je la cite. Sinon, elle allait être triste. Mince, ils sont où ces citrons? Je pensais que c'était vers la fin. Non? Non. Ah, ils sont là. Donc on a fait cette page agrumes. Donc normalement il y avait des oranges, des mandarines, mais pour moi c'est que des oranges. Voilà. Ou des clémentines. Oh, c'est orange, c'est orange. Voilà. Des citrons. J'ai pris du pastel. Pastel sec Mungyu pour le fond. Des stickles. Ah, stickles qui ont bavé là. Sinon, Jelly Roll. Et Prisma. Yep. Celui-là, faut pas que je le range. Que je fasse le colo du mois. Ensuite. J'ai entamé le Mermaids. Non, Mermaid Legends d'Anastasia et Nicole Dareva. Et j'ai fait celui-ci. Je sais pas si je l'ai envoyé à Didi. Je sais, enfin, j'abuse un peu de lui envoyer, je pense, pour la bouffe quand même. Enfin. Voilà, c'est Ariel qui a mangé Sébastien. Voilà. Don't me. Le fond, on est toujours sur du Supervision. Du Prisma, du Poly pour les cheveux, Pentel Hybride et du Glossy Accent pour les. Voilà, les petits. Je sais pas trop ce que c'est. Des petits bubules, je sais pas. Des petites écailles. Donc il a été en grande partie réalisé en live celui-ci. J'ai mis aussi du Pentel dans les cheveux. Je sais pas si vous allez le voir. Normalement là vous voyez. Mais voilà. J'aime bien faire ça maintenant. Un petit peu. Des petites touches. Et j'ai pas utilisé le même combo que d'habitude pour ma peau. J'ai mis bah, du rouge dedans. J'aime pas trop là le rendu de l'épaule. Mais bon. Voilà, pour lui. Ensuite, je suis allée dans le Bodoni méchant, que j'aime beaucoup, et j'ai fait pâte tibulaire. Non. Je sais plus où il est non plus. Et je mets pas de post-it. Les post-it, c'est le mal. Alors je recommence à mettre des pochettes plastiques par contre. Parce que je ne protège pas mes colons. Il est là. Voilà, donc patibulaire. Compliqué pour trouver une image de ref en fait. Il est jamais. Soit il est tout bleu, soit il est vert. Ou. Enfin. Les fringues, c'est pas ouf. Donc Prisma, Albrecht Dürer. Et ça c'est quoi? C'est du métallique. Jelly Roll métallique, me semble-t-il là. Moonlight autour des nuages. Sinon, c'est ouais, de l'Albrecht. Et ça, c'est quoi? C'est pas du Néo. C'est du Albrecht le bleu là? Non, ça doit être du Néocolor ça. Et le sol aussi, c'est du Néocolor. Voilà pour lui.
Après, je suis allée dans le petit carré Art déco où j'ai fait Monsieur Mouche. Voilà, ici. Donc, j'ai utilisé les combos de Mademoiselle Disney. Ah, ma cam qui m'a lâché, encore une fois. Encore une fois. Active-toi. Non, elle veut pas. Ok, c'est sympathique. Donc Prisma Pentel Hybride et Supervision. Oui, nouvelle Supervision. C'est la dernière que j'ai reçue. Oh, je les ai rangées. La Gift of the Whale. Celle-ci. J'ai utilisé laquelle? Celle qui est un peu verte. Ça va être celle-ci. Si je ne m'abuse. Je vais peut-être même utiliser deux, je sais pas. Enfin bon, bref, Supervision. Forever. Hop. Et du glossy accent dans les lunettes. Ah, ça je l'avais pas noté. Mais bon, le Pentel Hybride, toujours. Hein. Toujours avec modération. D'ailleurs, il va falloir que je me rachète un kit. Parce que. J'en ai. Faut que je m'en mette en. Oh my God. Ensuite. Ça, c'est une roulette. Roulette de sève. Serait. Dans le Fairy and Fantasy 2. De Christine Caron. Donc, c'est le Sweet Temptation. Alors, elle est où? Et il est là. Donc j'ai utilisé les collines, du Jelly Roll blanc, les luminances et les retourneurs macarons. Donc on va réaliser en bonne partie en live aussi celui-ci. Après, je suis allée dans le Bodoni chef-d'œuvre. J'ai fait Aladdin et Jasmine. Eux, je les ai mis sous plastique. Alors, j'ai utilisé les prismas. Donc là, combo Ohana et combo Mademoiselle Disneyland. Le fond, c'est les aquarelles d'Ava. Pentel Hybride pour les bijoux, sa boucle d'oreille uniquement. Ouais. C'était léger là, hein, les paillettes. Pour la lune, c'est Volcani. C'est aquarelle d'Ava. Avec quoi j'ai. Oui, j'ai repassé de la Colorex blanche, il me semble, par-dessus. Et là, je vois que. Ah oui, il y a du sennelier blanc aussi. Hein. Sennelier blanc. Les cheveux, j'ai fait. Si, j'ai fait au Prisma. Ouais. Mais ouais, le jelly, il est devenu rose. Il va falloir que je m'achète le Copic. Le Copic blanc de blanc. Et donc voilà. Ah oui, si, il y a des paillettes sur ses paupières aussi. Ah, je me disais, c'était bizarre. Donc voilà. Mon ticolo Aladdin et Jasmine. Et là, je vous ai pas dit ce que c'était, mais là, c'est des Albrecht. Albrecht Dürer. Voilà. On va remettre la pochette plastique. C'était les secondes ASMR. Pour vous plaire. Et ensuite, je suis allée dans du Chris Rignac. Par contre, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième. Je crois que c'est peut-être le deuxième. Ouais, c'est celui-là. Donc, c'est le deuxième livre. C'est le Frog and Friends Coloring Book, volume 2.
J'ai fait ce petit nuage aux Artix, Pentel Hybrid et Supervision. Voilà pour ça. Là, il y a un peu de... Oui, c'est ça, Pentel Hybrid. Bah oui, je t'ai dit. Bah oui. J'aurais limite pu mettre les yeux avec du glossy. Mais bon, j'en ai raté un, le glossy dans celui-ci. J'en ai mis partout la dernière fois, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a... Lui, il a un œil complètement... Ouais. Il a morflé. Donc, voilà mes colos du mois de février. J'avais un super bon rythme, mais ça, c'était avant les vacances. Parce que là, je vais pas vous cacher que je colo pas des masses. Voilà. J'ai fait combien de colos là au mois de mars? 1, 1, 2. Waouh. On est le. On est de combien? On est le 7. J'ai fait que 2 colos, dont un mystère. C'est pas fou fou. Voilà. Donc, d'ailleurs, là, je vais me choisir un colo. Oh, quoique. J'ai fait quoi là? C'était quoi? C'était du Disney? Faudrait que je fasse un truc hors Disney quand même. Parce que j'ai quand même enchaîné les Disney là, j'en ai fait. Faudrait que je fasse le colo du mois là-dedans. Il est qui est qui est qui est. Je crois que c'est une page que j'aime bien. Que j'avais choisi. Mais est-ce que je me souviens. Ah si, c'est la petite souris. Bah, c'était la petite souris qui était là d'ailleurs. C'est elle. Qui a morflé avec ce que j'ai utilisé derrière. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. J'ai acheté le livre. Voilà. D'ailleurs, il faudrait que je voie avec Kalina si elle peut. Non, je crois qu'elle m'avait dit qu'elle l'avait déjà faite. Ouais. Ouais, je trouve quelqu'un pour. Moi, je puisse la faire quand même. Ou que je puisse au moins cacher. Donc, ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Là, je pense que je vais faire un fond nuit. Parce que là, ça a quand même bien. Hein, les côtés, ils sont bien. Donc, ouais, je pense que je vais faire ça. Et je vais utiliser pas mal de. J'aime bien utiliser du matériel aquarellable dans celui-ci. Même si c'est pas bien. Là, je vais voir. Bref. Peut-être que le mois prochain, vous le verrez même pas. Parce que je l'aurais pas fait. Mais si, je pense que je vais essayer d'attaquer ça maintenant. Hein, voilà, on va se motiver un petit peu à faire un peu de colo, ça va peut-être faire du bien. Me détendre un peu. Hein, parce que je suis un peu à cran là, avec les petits. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez fait pas mal de colo aussi. Même si franchement c'est pas une course. Profitez de la vie. Voilà. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Colo ou pas. Je sais pas trop ce qui va être prévu prochainement. Là tout ce que j'ai hâte c'est qu'ils reprennent l'école et que je puisse retrouver mon train-train. Voilà. Retrouver un rythme normal. Pouvoir faire ce que j'ai à faire en fait. C'est ça, c'est relou d'être dépendant. Voilà, c'est un peu oppressant. Donc, je vais faire ça. Et je vous fais des gros bisous. Et vivement que les lives reprennent, ça me manque de fou. Voilà. Donc, oui, si vous nous avez toujours pas rejoint sur Twitch, vous avez toujours le lien dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit follow et comme ça, vous serez normalement. Prévenu lors du prochain live. Je dis bien normalement parce que Twitch et ses notifications. Mais bon, si vous me suivez sur Insta, de toute manière, j'essaie toujours de faire une story à quand je lance le live en fait. Donc voilà, je vous fais plein plein de gros bisous et on se retrouve bientôt. Bye bye.